Bonjour les amis, je reviens vers vous comme promis dans mon live pour cette demande de pardon. Dans la vie, on se dispute, on se fâche, et la personne qui peut être partie et à qui on n'a pas demandé pardon, eh bien vous trouvez que c'est peut-être impossible à faire. Mais non, toutes les voies passent par l'énergie. Alors, que cette personne soit vivante ou décédée, la demande de pardon passera. Il n'y a pas de problème. Tout est vibration, tout est énergie, tout est fréquence, et tout se transmettra. Alors, voici cette intention que vous devez lire une fois par jour, trois fois. Donc, trois fois sur la journée, mais en une fois, elle est très forte. Je l'ai créée il y a 24 heures. Ça m'est venu par une canalisation. Et voilà quoi. Je vous transmets ça pour vous aider et pour vous aider surtout à pardonner, ce qui est un grand pas pour votre cœur, pour votre évolution aussi. Alors, la voici. Moi, dans mon incarnation et de par mon âme, je demande pardon à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, ainsi qu'à toutes les autres âmes. Je fais cette demande avec mon cœur et avec paix et humilité. Je demande également pardon aux hommes, femmes et enfants que j'ai fait souffrir dans cette vie. Je demande pardon à moi-même, que ce poids de mes actes sombres se dilue dans la lumière. Paix et gloire aux travailleurs de lumière. Voilà. Vous lisez ça trois fois pendant 9 jours. Essayez d'être régulier à la même heure, comme ça l'énergie s'en va à la même heure. Et puis, vous connaissez mon petit défaut numérologique. Il faut que je mette des chiffres partout. J'ai sorti de cette intention les mots les plus importants qui sont pardon, paix, lumière et gloire. Eh bien, quand je prends la première lettre de chacun de ces mots, j'arrive à un poids de 47. 4 plus 7, ça fait 11. Et 11, c'est merveilleux pour cette intention, c'est la sagesse. Allez, à bientôt tout le monde!